Good evening, 47. Your targets are Dr. Pavel Friedel and Dr. Akane Akanawa, brilliant and unethical transplant surgeons. Both were involved in performing an operation on a billionaire's son. However, the organ had been sourced illicitly in Central Africa, and the patient died of hemorrhagic fever shortly after. We have located the targets at Gamma in Hokkaido, where they are key members of staff and will enjoy a great deal of freedom of movement and protection within the facility itself. The client offers a substantial bonus if the targets are eliminated in a manner appropriate to the death of their patient. As you know, the Gamma facility has worked with infectious diseases, so you should be able to find something useful on site. And I know you appreciate poetic justice. The clock is ticking, 47. Good luck. Et salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle réactivation de cibles fugitives. Donc il s'agit aujourd'hui des chirurgiens. Donc on a deux cibles à éliminer et je vous propose aujourd'hui un petit speedrun que vous allez pouvoir faire assez facilement. Vous commencez à côté de la salle d'opération en tant que chirurgien. Vous allez faire en sorte de vous équiper au préalable d'une seringue de poison, donc vomitive, afin de piquer l'un des deux docteur dans le dos, donc tout le monde sera tourné, donc vous pourrez la piquer sans aucun problème. Voilà, tout le monde vous tourne le dos, donc ça c'est impeccable. Maintenant on se dépêche d'aller en sous-sol récupérer donc les seringues de virus hémorragiques afin de pouvoir les éliminer, parce que elle, la demoiselle, pendant ce temps là elle va aller vomir dans les toilettes. Donc il s'agit de se dépêcher afin de revenir au bon moment quand elle est en train de vomir. Voilà. Donc du coup, on se dépêche de remonter. Là, on a, si on le souhaite, on peut cacher un objet de contrebande ici. Donc moi, j'avais pris un gaz vomitif, mais on peut prendre, pourquoi pas, une autre seringue vomitive pour le deuxième docteur. Donc là, maintenant, on se dépêche d'aller dans les toilettes où il y a la miss. Et surprise, motherfucker. Voilà, c'est bon, madame est décédée. Maintenant, on se dépêche, on descend et on va jusque dans la cour, parce que normalement, si vous si vous avez bien préparé votre truc, normalement le deuxième docteur va admirer la vue dans les jardins. Donc pareil, vous ferez quand même attention aux jardiniers qui sont aux alentours. Faites attention où vous sortez, parce qu'il y a aussi des caméras. Donc faites exactement comme moi. Alors j'avais perdu un petit peu de temps, du coup la vidéo elle se passe en 3 minutes. Je l'ai fait en 3 minutes et 11 secondes, mais j'aurais pu faire, voilà, j'aurais pu économiser, je pense, à peu près une dizaine de secondes. Mais je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai fait. Donc là, du coup, voilà, vous avez personne dans le coin, tag, vous pouvez le piquer, il est mort, c'est parti, on sort de là, c'est terminé. Voilà, voilà. Après, voilà, vous avez d'autres façons de faire. Ça, c'est l'une des, on va dire, l'une des solutions, on va dire, les plus rapides. Tout aussi efficaces que d'autres. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, après, voilà, certaines solutions sont un petit peu plus longues à réaliser. Par exemple, toujours, on peut se déguiser en tant que directeur de l'hôpital, par exemple. C'est une solution parmi tant d'autres pour après aller dans son bureau, récupérer des infos. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de mon petit speedrun improvisé vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est écrit dans chaque description de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications par mail et sur votre compte YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir toujours du Hitman et d'autres jeux bien sûr différents. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà fait ces deux cibles dans le passé, parce que c'est quand même des cibles assez anciennes. Voilà, donc j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est pour ça que je remontre une autre version. Voilà. Amusez-vous bien, passez un bon week-end, et je vous dis ciao tout le monde.